Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Juju le 39 et on se retrouve pour un cinquième épisode de Uncharted. Donc, dans l'épisode précédent, on en était resté ici au chapitre 6, c'est débloquer le passé. Donc, je suis désolé, déjà dans un premier temps, ça bip toujours, j'ai essayé de nouvelles piles. Donc, je pense que c'est mon casque qui merde. Bon, c'est pas grave, j'espère que vous entendez pas trop, je ferai avec et puis je rachèterai un nouveau casque. Bon, pas tout de suite, mais un peu plus tard, hein. Un conseil, si vous achetez des casques, ne prenez pas un Triton avec pile. Voilà. Donc, dans l'épisode précédent, on l'avait fait vraiment court. Je l'avais fait en 15 minutes, à peu près. Et donc, en fait, c'est parce que je vous explique, c'est que je voulais faire chapitre par chapitre. La première vidéo, c'est vrai que je me suis arrêté au milieu d'un chapitre. Au milieu du chapitre 2, parce qu'en fait si je faisais le 1 uniquement, ça allait faire moins de 10 minutes la vidéo. Là 15 minutes c'est déjà un peu plus raisonnable. Donc ce que je vais faire pour cet épisode, je vais faire deux chapitres en un. Comme ça, ça sera un peu plus long et puis ça rattrapera l'épisode précédent. Voilà. Alors, on continue tranquillement. Attends voir. Pourquoi cette tour est-elle si importante ? Oh, enfoiré. Allez, ça commence, c'est parti. En plein dans le mille, poulet. Oh. Ok, à plus. Amenez-vous. Il est là. Il est où l'autre là? Oh là. Bon. Yep. Il faut très certainement monter. Je vais juste aller voir s'il n'y a rien à gratter dans le coin. Non. Bon. Ok. Calme. Moi aussi. Alors heureux. Yep. Non. On fout du micro Uzi. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ça c'est fait. Là-dedans. Là-dedans, ben y a rien. Ensuite. Ah. Pas grave, je vais aller voir en bas. Ici, 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 y a rien. C'est quoi ça? Encore ce symbole. Mais quel est le rapport avec la tour? La tour. Alors. Ok, alors attendez. Voilà.
Donc, faut que j'aille où moi là dans l'histoire? Apparemment, c'est pas là-bas, c'est doit. Si, c'est peut-être par là-bas en fait. C'est peut-être par là-bas. Est-ce que je peux. Ouais. Ce bordel qui sème. Attention, attention, attention. Hop, purée, c'est. Je me suis planté, j'appuie sur carré. Oh. Bon. On recommence. Ah. Fais chier ce bip. Ces masques de merde, Made in China, quoi. Cette fois c'est bon. Ok. Tout ça pour ça quand même. Hop. C'est où là? C'est où faut que j'aille? Bah c'est là-bas en plus je crois. Non, faut que je continue à monter. Qu'est-ce que je fais? Ah non! Ah! Voilà. Oh non. Non, 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 non. Flip que je me suis fait. Non, c'était pas ça. Bah, fallait faire quoi? Je croyais qu'il fallait sauter en face, moi. Ouais, ok. Bah, dis donc, cet épisode commence bien. Faut bien sauter en face, là. Ah, bah oui, bah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il me fait? Pardon. Merci. Ça a l'air d'être ça. Ah ouais, j'allais dire, il n'y a pas un moyen plus rapide parce que... ouais. Par contre, je vous avouerai un truc, c'est que je suis un peu perdu dans l'histoire. Faut que je fasse... Ah, allez, oh, c'est pas vrai ça. Mmh. Mais je pense qu'à mon avis... Bon.
à mon avis, j'ai quand même... Mais... Ah bah oui. Je me disais bien. Je l'avais trouvé précédemment, j'en trouvais pas. Je me suis dit c'est pas normal. Ok. Ok, ok. Autant pour moi. Hein. Dans le secteur là. Où est-elle? Ouais. Alors oula, ça pue là. Ça pue, ça pue, ça pue. Ouais. Oh, oh, non, pas ça. Ah! Merde! Eh hey, merde! Ah. Ok. Hop là! Ah! Bon, ça va m'emmerder cette histoire là, je crois. Alors, D'accord, une grenade. Ah, je l'ai vu là, regardez, là-bas. Ça fait un pli. Ouh, faut que j'arrête de faire le con. Oh là là là. Ah mais... ouais, je sais pas trop quoi faire là. C'est quoi ça? Ils viennent d'où ces mecs? Ah, superbe. Tiens. Hop, il me retrouve mon arme, voilà. Ah non! Je joue comme un amateur, c'est abusé. Ouais. Oh non! Oh, ça commence, ça commence, ça commence. Ferme.
C'est bon ? Bah dis donc. C'est pas trop tôt, hein. Celui-là, il est pas mal de flingues, mais... Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de munitions. Ah, j'avais pas vu, il y avait des tonneaux, là. Bon alors, pourquoi elle s'est refermée cette cruche? Ah, ok. Ok. Hop là, hop. Hop là. Bon, j'utilise beaucoup le pistolet parce que bon, le problème c'est que c'est plus précis, moi je trouve. Il y en a encore qui vont débarquer, j'en suis sûr. Non ? Oh là ! Oh ! Cette fois c'est mon tour. Tiens, du con. Ah, c'est excellent cette arme. On peut pas la prendre ? Dommage. Oh là 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 là. C'est pas espagnol ça, c'est anglais. Oh, Fletcher, nous sommes partis à la Grande Tour. Je prie pour que nous nous y retrouvions. Francis Drake. Waouh, donc t'es bien venu ici. Mais qu'est-ce que tu mijotais ? Oh purée. Oh. Mais fous-moi la paix, toi. Je t'ai rien demandé. Chou, est-ce que c'est bien là pour aller... Ça a l'air. Ça doit être la tour de Drake. Hop là. Toi l'enfoiré. Non mais oh. Fiche-moi la paix, tu sais. Ça tombe à pic. Non. Ah, je me suis encore planté de bouton, moi.
Ah bah non, j'ai plus de balles, il peut pas recharger. Ok. On va où là? C'est là-haut qu'il faut aller? Ah mais tu sautes ou tu sautes pas? Bah, ah. Bon, apparemment c'est pas là qu'il faut aller, mais il y a un trésor, donc c'est déjà pas mal. Moi je suis persuadé que c'est là qu'il faut aller. Bah oui que c'est là qu'il faut aller. Pff, je suis vraiment débile moi. Alors ensuite... Non! Je t'ai pas demandé de sauter. Enfin, j'ai dû très certainement me planter de bouton. Enfin, c'est pas grave. Hop, hop. Voilà. Il n'y a rien dans le coin. Non, pas l'air. Ok. Ça devait être à Drake. Qu'est-ce que tu cherchais ici, hein? Tiens, tiens, ça nous dit quelque chose. Mais les navires sont toujours là? Elena? Hé, par ici. Regarde! Oh merde! Hop là! C'était pas le bon. Si? Ah bah si, c'est ça qu'il fallait faire alors. Je sais que je ne suis pas un grand chasseur de trésors comme toi, mais je doute que tu trouves Eldorado par ici. Comment tu t'es fourré dans ce pétrin? En essayant de te sauver, pour tout te dire. Oh, comme c'est mignon. Des briques traditionnelles de grès et de stuc, du mortier friable. Hey, tu peux me dire comment tu sais tout ça? Mon émission, épisode 4, architecte du nouveau monde. Ouais, il suffira de rien pour arracher ces barreaux. Quoi? Non, attends, t'es sûr? Bouge-toi de là, pauvre crétin! Mais... Ouvre-moi cette porte, tête de l'œuf! Oh, merde... Dré... Eh, Diracha, j'aurais dû m'en douter. Un document fascinant, hein? On dirait que Sir Francis était dans la même branche que moi. Te jette pas de fleurs, Eddie. Alors comme ça, on est toujours ennemis, hein? Je vais te dire, mène-moi jusqu'alors, et je te laisserai peut-être en vie. C'est tout. C'est ça, le deal. Mourir maintenant, ou t'aider et mourir plus tard. Pas facile comme choix, mais tu sais quoi? Je préfère mourir. Tu vas la fermer! Écoute-moi bien, Astico. On va trouver un trésor sur ce satané rocher. Et maintenant, mes hommes sont en train de crever.
Ils peuvent même pas sortir pour pisser sans un quart d'armée. Et je peux absolument rien y faire. Je suis en train de te faire une offre correcte. Tu m'aides à trouver le trésor. Et le dernier homme en vie récupère l'or. Et la fille, bien sûr. La fille? Oh, Eddie, la fille est déjà loin. Elle a sûrement quitté l'île maintenant pour chercher de l'aide. Espèce de gros menteur! T'as jamais été très bon au poker! Je vais la trouver. Crois-moi. C'est sûrement pas une fille qui va m'apprécier. Ça, c'est fait. Alors? Tu viens? Merci. Merde alors! Bon, bon boulot! Merci. Allez! Ouvre-moi ça! Accroche-toi! On se barre, les gars! On les suit! Ils doivent pas s'échapper! Go, go! Bon, alors. Chopez-les! Est-ce que tu sais où tu vas? Non! Ils doivent pas s'échapper! Voilà! Oh, P2-1. Et 2-2. Hey, accélère! Accélère! Bah ben voilà. T'arrives par les côtés! Où ça? C'était chaud là. Ils sont derrière nous. Ils doivent pas s'échapper. Allez, accélère un peu là. On a réussi. J'y crois pas, ça a marché.
Alors, c'était qui ce type? C'est juste un ancien... Ah, fais gaffe! Oh non! Accroche-toi! Forcément. Ok. Attrape ma main. Ok. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Et dis donc, tu saignes? Ça fait couleur la cale. Allez, on se tire d'ici. Merde! Allez! Vous nous quittez? Hé, hey, Eddie! Vous pensiez tout de même pas pouvoir m'échapper, pas à moi! Oh non! On allait juste faire une petite balade digestive. La ferme! Je sais que vous travaillez aussi pour eux. Hein? Vous pensiez me la faire à l'envers et vous partager le butin, hein? C'est ça? Bonsoir, ce type est givré! Eddie, on se calme, mec! On dirait que la chance tourne! Vous êtes piégés. Maintenant, donnez-moi cette carte. Accroche-toi. D'accord, je m'incline, t'as gagné. Hé, hey, pas un geste. Relax, Eddie, je prends juste la carte comme tu me l'as demandé. J'ai dit accroche-toi. Je suis. Ou alors, tu me la donnes? Bah, tu viens de me dire de pas bouger. On dirait que tu vas devoir venir la chercher. Ah, t'as un camo. Alors, nous voici dans la cité engloutie, mais nous allons nous arrêter ici pour cet épisode, les amis. Je vais juste les descendre là. Purée, mais. Pas vrai, ça. Voilà. Donc nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.